amis avec l'homosexualité, le lesbianisme, en prenant à 17 ans bien Benoît. Nous te refusons avec tes tentations. Mon frère, ne garde pas ton avenir pour un petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Un, deux, trois, quatre, sept. Ta sauce le Rio, un sacano, viens tourner bien Benoît. Bonsoir tout le monde. Pat, bonsoir. Rosa, bonsoir. Didier Dan, bonsoir. Eli Yuke, bonsoir. Dominique Kwa, bonsoir. Félicité Mbrezel, bonsoir. Lise Duleke, bonsoir. Alexandre, bonsoir. Dizit Thien, bonsoir. Suzanne Miranda, bonsoir. Cyril Dima, bonsoir. Martin Lili, bonsoir. William Etundi, bonsoir. Mathieu, bonsoir. Marc Pelagi, bonsoir. Salomé, bonsoir. Zaché Ngenjo, bonsoir. Roussa, bonsoir. Voilà. Simon Itoué, Wamusombo, bonsoir. Kawasaki, bonsoir. Cécile Ngo, Cécile Ngo, Nkolum Mbia, bonsoir. Salim Bobichon, bonsoir. Joseph Fras, bonsoir. Kalanga Gauche, bonsoir. Ingrid Maïva, bonsoir. Elise Rolex Brandao, bonsoir. Evelyne Wenan, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Les sujets sont là. J'ai oublié un sujet. Si j'ai fini par les autres, on va faire ça demain. Mais je veux commencer. Il faut que je commence par ça. Je vais commencer par ça.
Affaire de statut spécial. Waouh! Faut pas que quelqu'un, parce que je connais bien les Camerounais, faut pas qu'un jour, un Camerounais ouvre sa bouche et dit le président Biya avait offert un statut spécial à la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le président Biya a convoqué le grand dialogue national. Les Camerounais se sont assis. Les Camerounais se sont assis commission par commission. Les Camerounais ont fait des propositions au président Biya pour résoudre la crise anglophone. Voici ce que nous te proposons. Le président Biya l'a annoncé lors du sommet de la paix à Paris. Parce que moi, je connais ce qu'on appelle le statut spécial. Je vais vous expliquer. Parce que le statut spécial, dès qu'on vous donne un statut spécial, ce statut spécial va vous fermer certaines portes. Je vous prends un seul exemple. Chez nous, dans l'Ombam, vous avez des villages qu'on appelle autonomes. Village autonome. Vous savez ce qui sort après? Comment est venu le village autonome? Le village autonome est né du fait que quand le chef supérieur des Bafia veut sans sa mort venir, il appelle un de ses cousins. Il a les enfants, hein. Il appelle un de ses cousins. Il dit à son cousin, mes enfants sont tellement méchants. Surtout mon fils là, il est méchant. Prends la chefferie. Il refuse à son propre fils la chefferie. Il dit, prends ça. Pas avec. Son cousin prend, je vous parle là à l'époque de l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui est au Cameroun. Son cousin prend la chefferie. Il part avec. Il reste celui. Son cousin revient voir son frère et dit, mais c'est comment? Il dit non, je t'ai donné. Tu règnes. Il dit en Bafia, mais FAO. Ça veut dire, je t'ai donné. Je vous dis, il a les enfants. Quand il décède, l'administrateur colonial allemand entérine que c'est le cousin qui est chef. Entre-temps, l'Allemagne perd la guerre. Son fils commence donc à revendiquer la chefferie. La seule chose qu'on trouve à donner à son fils, on dit que bon, ok. Il dit qu'il ne peut pas être sous les ordres du nouveau chef. On dit, bon, ok, qu'est-ce que tu veux donc? Quelqu'un le balance un mot, dit que tu vas être village autonome. Le gars dit qu'il préfère être autonome. Alors, on met donc chefferie de Riono, village autonome. Dans le centre, dans l'arrondissement, il y a à l'intérieur de l'arrondissement, il y a un village autonome. Vous savez donc là, ce que ça fait aujourd'hui? Quand un enfant du village autonome veut être maire de l'arrondissement, on lui dit non. Village autonome, non? Tu ne peux pas être maire. Être maire. Le maire, il est en prison à vie.
à chaque fois que il y avait quelque chose dans l'arrondissement, c'est ça qu'on sortait comme un chapeau, comme une carte, comme un joker. On dit non, 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 il est du village autonome. Si lui ne veut pas qu'on le commande, pourquoi lui veut nous commander? À chaque fois, vous allez dire que ça se passe dans... Il y a tellement les villages autonomes chez nous que et c'est cet engrenage qui fait donc que vous allez voir ce statut spécial qu'on va donner au nord-ouest ou au sud-est. Vous allez voir les portes que ça va fermer. Attendez, vous allez voir. Il n'y a aucun statut spécial qui ne ferme pas certaines portes. Si tu prends le statut spécial, attends-toi à ce que les certaines portes seront fermées. Vous allez voir. Vous allez voir. Je vous prends seulement un seul exemple pour que vous compreniez l'histoire du statut spécial. Quand un gars anglophone est à Douala, par exemple, je prends pour que vous compreniez Douala 4e, le maire SDF s'appelait M. Koumazé, un gars anglophone. Quand il aura le statut spécial, on va lui dire non, quand tu as un statut spécial, va être maire à... Ouais. Écoutez-moi, hein. Ça va arriver. Faut pas qu'on dise que je n'avais pas dit. Quand il va falloir être maire à Douala, on va dire que c'est qui? Non. Statut spécial. Va être maire à... Il n'y a aucun statut spécial qui ouvre les portes à tout sud. Toute l'étendue de la... Or, un gars du Nord-Ouest peut avoir des compétences. Il est adoubé par la population, par exemple, de l'extrême Nord. On dit que ça c'est quelqu'un qui travaille bien dans l'arrondissement. Ainsi là, on peut faire de lui maire. Mais à cause du statut spécial, vous allez voir, sauf si on fait des aménagements. Parce que je sais dans l'histoire, à chaque fois qu'on vous donne un statut spécial, retenez, ça va vous fermer les portes. À chaque fois que vous soulevez la tête dans une autre ville, on va vous dire, vous avez un statut spécial. Conséquence, quand tu vas vouloir être député, exemple, comme le député Joshua est là, on va lui dire que député Joshua, tu as un statut spécial. Explique-moi comment toi tu as un statut spécial, mais moi je te fais chez moi conseiller municipal. Parce qu'il faut que vous compreniez. Il faut comprendre ce qu'on est en train de dire. On parle de statut. Et ce sont les Camerounais qui sont allés au palais de congrès écrire ça. Que nous voulons le statut spécial. Quand j'ai entendu le mot statut spécial, je dis, mais est-ce qu'ils savent le piège du statut spécial? Parce que là où nous sommes là, eux et nous, nous sommes Camer. Un anglophone peut être maire chez moi à Bafia, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Je dis bien, un anglophone peut être maire chez moi à Bafia, ça ne me gêne pas. Du moment où il travaille pour tout le monde, puisqu'il est maire à Bafia, il va travailler pour tout le monde. Ça ne me gêne pas. Mais du moment où on lui octroie le statut de spécial, ça change la donne. Écoutez bien. Je ne sais pas si les gens réfléchissent. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, là où nous sommes là, on est frères. Nous sommes camés, tous. 400,
sur l'étendue du territoire, les 475 000 km², là, on est babasse. N'importe où, tu peux te mouvoir et monter tes compétences. Du moment où on t'octroie un statut spécial, tous ceux qui sont en Angleterre comprennent ce que je suis en train de dire avec le Royaume-Uni. À l'intérieur du Royaume-Uni, vous avez l'Irlande, l'Écosse, tout ça, avec les statuts. Attendez, vous allez voir. Le tout premier ministre anglais qui est d'origine écossaise, c'est celui qui est parti là, Gordon Brown. C'est le premier depuis que l'Angleterre existe. Donc, waouh, mes frères. Ah, vraiment de Dieu. C'est le français. Na French way them to talk. Statut spécial. Posez-vous la question. Nous sommes dans une république. Du moment où tu demandes un statut spécial, ok. Va te donner un statut spécial. Qu'est-ce que ça va t'apporter et qu'est-ce que ça va t'enlever? Ce direct-là, pardon, téléchargez, vous gardez. Ça va sortir. Vous allez voir. Ça va finir par sortir. À chaque fois, on va vous sortir ça. On dépose. Si vous avez un statut spécial. Je vous dis, affaire de statut spécial, vous allez voir ce que ça va donner. Quand tu te fais manipuler, on te trompe. Tu tombes dans le piège. Ils avaient à revendiquer une seule chose. Je dis bien une seule. Une seule chose. Ils devaient à revendiquer une seule chose. Et cette chose, ils sont passés à côté. Une seule chose. Seule. La régionalisation avec des meilleures conditions de contrôle de leurs élus locaux. Comme le président a lâché ça là, dans la scène internationale là, c'est acté. Ce monsieur, c'est un géopoliticien hors pair. Comme il a lâché ça là à Paris. C'est acté. On va valider. Vous avez demandé ça. Ok. Le gars est allé à Paris. Il a annoncé ça. Je vous dis. Vous allez voir. Affaire de statut spécial, vous allez voir. Dès que tu vas vouloir faire quelque chose, dans une autre région, on va te dire, hein? Statut spécial. Ah. Mon frère, affaire de statut spécial, vous parlez avec ça. Dans chaque secteur d'activité où tu vas vouloir te mouvoir, on va te dire, on va toujours te rappeler statut spécial. Et en tout cas, j'apprends qu'il y a trop d'intellectuels là-bas. Beaucoup.
Il y a beaucoup. Ok. Le pater sait que mes enfants, comme vous voulez ça, le pater sait que c'est un couteau qui va les couper. C'est pour ça qu'il annonce ça en bain. On va leur donner le statut spécial. On a voulu les intégrer dans toute la nation pour les interpréter, pour vivre comme ça. Les gens ont refusé. Moi, je suis au Canada. Si je veux aller vivre à Toronto, je vais vivre à Toronto, travailler sans problème. Mais quand il faut que je me présente à la mairie de Toronto, mon gars, on va peut-être me présenter, mais ils savent que je ne peux pas gagner. On va te dire carrément que non, ta province c'est là-bas. On voit ça ici, hein. En Ontario, ils avaient dans les églises, on faisait la prière en français et en anglais. Dès que le nouveau maire est venu, il a annulé. Les gens sont en train de se battre, il dit que je ne veux plus ça, je ne veux plus le français, c'est l'anglais. Vous voulez parler français, allez dans votre région. C'est simple, hein? C'est simple. Chaque région a sa langue. L'anglais et le français, mais pas, ne quitte pas. On sait que tu es de père et de mère québécois là. Va au Québec. Si tu es ontarien, tu vas en Ontario. Mais on ne t'interdit pas de vivre là où tu veux. Mais quand ça concerne la politique, mon ami, on ouvre les yeux comme ça. Tu peux faire les affaires comme tu veux, t'installer, faire tout. Mais quand il faut maintenant que tu entres en politique dans une province, on va dire que tu peux être membre d'un conseil municipal, mais tu ne peux pas être l'élu. Par exemple, mais tu ne peux pas. Sauf si tu as adopté là-bas, dans cet état, dans cette province, où les gens t'aiment, les gens voient que tu travailles bien, tu es devoir à la communauté, là ils font de toi-même, parce qu'ils sont élevés d'esprit, ils font de toi-même. Dis que ça c'est quelqu'un qui bosse bien pour la communauté. Allez voir. Quand je parle ici, mes frères anglophones. Mais non. Est-ce que... Attends. Les gens ont demandé... Les gens t'ont dit qu'ils veulent le fédéralisme. Moi qui te parle là, je ne veux pas le fédéralisme. Moi, je ne veux pas. Le président bien ne veut pas. Beaucoup de personnes ne veulent pas. C'est ça qui est la question. Vous êtes un pays faible. Et tant de choses est à côté de vous. Le Nigeria vous parle. Le Nigeria est là à côté de vous. État fédéral. À l'indépendance, 16 États. 16 ans d'indépendance. 7 États à l'indépendance. Ce sont 7. Ils deviennent indépendants. 20 ans après l'indépendance, ils passent à 16. 25 ans après, il passe à 25. Actuellement, ils sont à 35. Ça ne s'arrête pas, ça continue. Parce que c'est un état faible. Boko Haram a pris 3 états. Au Nigeria, 3. L'armée n'entre pas là-bas. Il a fallu que le Cameroun, le Tchad et le Niger et le Bénin viennent chasser Boko Haram. Le Niger parle. Un état faible ne s'engage pas dans certaines choses.
Il faut savoir où sont tes limites. Il ne faut pas te même prononcer le mot pour prononcer les gars. Le Niger là, est à côté de nous là. Jusqu'à présent, 7 rébellions. 7. 7. Rien qu'au détat du Niger là, 4 rébellions. Donc, c'est pour ça que moi je préfère les régions. Avec les régions, la seule chose qu'on aura à faire, c'est de mettre les moyens de contrôle, c'est tout. La loi, c'est la loi. Bonne ou mauvaise, c'est la loi. Tant qu'elle n'est pas changée, elle doit être appliquée. Si on respectait la loi au Cameroun, personne n'allait dire fédéralisme, régionalisme. Le problème, il est le suivant. Au Cameroun, vous avez des gens qui pensent que la République a été bâtie pour eux. Et c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit tous les jours. Je vais parler Non, pas tous, je suis d'accord avec tout ce que tu écris. Tu dis, j'ai juste dit qu'ils ont des intellectuels qui ont déjà réfléchi à la chose. Donc, ils savent bien ce qu'ils font. Mais pas. Ils ont les intellectuels, mais ils ont été incapables de discerner la manipulation américaine. Ils connaissaient bien que l'ONU a fait ce qu'on appelle la démarcation des frontières de la République du Cameroun. Elle a posé les bornes. Ce qu'elle n'a fait nulle part. Il faut comprendre bien. Elle n'a fait ça nulle part, sauf au Cameroun. Parce qu'il y a un vieux à étudier qui a dit, venez faire la démarcation de la frontière. On a mis les bornes. Partout. Il connaissait ce qu'il faisait. Il connaissait ce qu'il faisait. Quand on a commencé à les manipuler aux États-Unis, c'est parce qu'ils suivaient Equinox. C'est comme ça quand tu suis Equinox. Quand tu suis Equinox, tu es en déphasage avec la vraie information. Tu ne connais pas ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Quand on a commencé à les manipuler aux États-Unis d'Amérique, ils ne connaissaient pas que la sécession ne peut pas exister. Ça ne peut pas. Avec documents à l'appui. Mon frère, c'est de ça qu'il est question, Tara. Ils savent bien ce qu'ils font. Mais les faits, nous on voit les faits sur le terrain. Les faits sur le terrain, c'est que on coupe les têtes, on décapite, on assassine,
Ce sont les faits. Voilà les conséquences de la réflexion des intellectuels. J'ai suivi une information. Le président bolivien Evo Morales. Evo Morales arrive au pouvoir, c'est le premier indien à être président dans son pays. Donc les présidents là-bas ont toujours été des métis. Il est le premier bolivien indien de souche à être président. Il arrive, il nationalise des entreprises, il fait beaucoup de réformes, il paye sa dette à la Banque mondiale et au FMI. Il fait tout. Il récupère la Banque centrale de la Bolivie. Vous savez toujours que le peuple vient toujours comprendre ce que fait un président tard. Frédéric, ne pèse pas l'abcès. Ne pèse pas l'abcès. On n'a pas dit que... Ouais. Oh. Pape. Ouais. Pape, c'est comme ça que vous avez réfléchi. Vous avez réfléchi. Nous avons le pétrole. Nous avons la mer. Ouais. Pape. Pape, je veux donc te rafraîchir la mémoire. Je ne sais pas quel genre de Camerounais vous êtes. Écoute-moi bien, je vais te rafraîchir la mémoire. Pour comprendre les qui pêchent au Cameroun, tu vas à Manoka. Je te donne les nationalités des gens qui pêchent au Cameroun. Tu vas à Manoka. Tu vas trouver des Biafrais, Ghanéens, Sénégalais, Maliens. Tu vas à Bakassi, tu vas trouver les mêmes nationalités là-bas. Tu comptes les Camerounais au bout des doigts. Tu m'as compris? Je ne suis pas en train de te dire qu'on a dit. Je te dis ce que je suis allé voir. Ce n'est pas on a dit. Quand l'État du Cameroun gagne le procès de Bakassi, l'État du Cameroun demande aux Camerounais d'aller prendre les terres à Bakassi. Je suis parti. Je te dis, je suis parti. On était quatre. Tous ces gens que vous voyez qui coupent les têtes dans le Nozo et dans le Nozo, 80% étaient dans ces îles. On a appelé ça c'est une cellule dormante. Plusieurs nationalités.
là-bas. Tu ne trouves aucun Bakouiré, aucun Bakossi, aucun Balondo. Si tu nies, tu vas sur le terrain, mon frère. Quand tu vas aller sur le terrain, tu vas revenir dire que Abdel avait raison. Tu as dit tantôt qu'ils ont le pétrole. Ouais, ils ont le pétrole plus que les Gabonais. Ils sont 1 million. Les Blancs ont laissé les Gabonais jouir de leur pétrole. Non. Ils ont le pétrole plus que les Guinéens. Les Blancs leur ont laissé jouir de leur pétrole. Non. Maintenant, je vais te dire l'intelligence du vieux que vous insultez. Il a dit quelque chose à Paris. Et c'est ça que moi j'ai retenu. Il a prouvé une fois de plus encore son intelligence. Attends. Parce que toi, tu as compris, Paul Biya, il a parlé. Nous, on a compris ce qu'il voulait dire. Je remets la vidéo pour Pape qui ne comprend rien. Paul Biya fait de la géopolitique. On vous a dit que c'est une réunion de paix, non? La réunion de paix a ceci de particulier que pourquoi on parle de paix? On parle de paix parce que nous voulons faire la guerre. Si nous voulons faire la guerre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Les États-Unis d'Amérique entrent en guerre contre la Grande-Bretagne pour une seule raison. Parce qu'au port de New York, on avait augmenté les frais de douane. C'est pour vous dire donc que les États-Unis entrent en guerre avec la Grande-Bretagne à cause de l'économie. On a augmenté les frais de douane. Ils ont dit, niet, ça va comme ça. Il faut arrêter ça. Sont entrés en guerre. Oui, allô? Allô? Non. Bon. Oui. Mais je suis en direct là, je te rappelle. Je suis en train de faire un direct, je te rappelle. Paul Biya, il est le maestro. Je vous passe la vidéo. C'est pour ça que nous, on l'adore. Quand tu n'es pas un enfant maudit, tu ne suis pas Paul Biya. Quand tu es un enfant de la République, tu écoutes Paul Biya quand il parle. Surtout quand il est assis avec les Blancs. Il faut comprendre quand il parle, les mots qu'il place. J'ai applaudi le père là, mon frère. J'ai dit que papa. J'ai croisé les mains comme ça, il dit que oui, mon frère, le pater, il est fort. Pendant que je vais vous faire suivre la vidéo. Le pater, là, non. Il est fort. On dit qu'il est vieux. Hein? Attendez. Le pater est fort. Non. Le pater, non. Les gens ont suivi, il a parlé. Les gens font des analyses. Il faut que je vous explique en profondeur ce que le pater a dit.
Elle dit que le pasteur, j'ai confirmé que oui, mon frère, géopolitique n'a rien. Le 26 décembre n'est pas loin. Il a donné sa réponse à la date du 26 décembre qui vient là. Et je vais vous expliquer quel est le lien avec ce qu'il a dit le 26 décembre. Vous partez là, mon frère. J'ai regardé le partez là comme ça, j'ai dit que papa. J'ai dit que le partez, s'il est fort. Et regardez comment les Camerounais sont là. En fait, nous, on connaît les Camerounais qui marchent là. On sait pourquoi ils marchent. Je vais vous expliquer ça. Attendez, je vous montre d'abord le discours. Je vais vous expliquer ce qu'il a dit. Parce que les gens ont compris le français, mais non, nous, on était là en géopolitique. Il a dit quelque chose, mais c'est en lien avec le 26 décembre. C'est en lien. Mais sauf que si tu ne, comme tu ne comprends pas la géopolitique, tu vas dire que non. Ah, c'est rien de tout. Papa, mais nous qui comprenons, vite, on a compris que le pâté est fort. Attendez, je vous montre ça. Gouvernance mondiale plus équilibrée, c'est le thème qui a guidé le débat auquel a préparé le chef de l'État camerounais Paul Biya dans le cadre des échanges du deuxième sommet de Paris sur la paix. Modéré par Mo Ibrahim, patron de la fondation qui porte son nom, le panel était composé de personnalités de très haut niveau. Roch Narom, premier ministre du Cambodge, Hossam Zaki, secrétaire général de la Ligue arabe, Louis Mouchi Kiwabo, secrétaire général de l'OIF, et Burhan Kumar, diplomate indien, désormais à la tête de l'organisme international. Le débat d'abord tourné au... Reconnaître le Sud pour une gouvernance mondiale plus équilibrée, c'est le thème qui a guidé le débat auquel a préparé le chef de l'État camerounais Paul Biya dans le cadre des échanges du deuxième sommet de Paris sur la paix. Modéré par Mo Ibrahim, patron de la fondation qui porte son nom, le panel était composé de personnalités de très haut niveau. Roch Narom, premier ministre du Cambodge, Hossam Zaki, secrétaire général de la Ligue arabe, Louis Mouchi Kiwabo, secrétaire général de l'OIF, et Burhan Kumar, diplomate indien, désormais à la tête de l'organisme international. Le débat d'abord tourné au... Pas de renvoi la vidéo là. Pas de renvoi la vidéo là. Ok.
Reconnaître le Sud pour une gouvernance mondiale plus équilibrée, c'est le thème qui a guidé le débat auquel a pris part le chef de l'État camerounais Paul Biya dans le cadre des échanges du deuxième sommet de Paris sur la paix. Modéré par Mo Ibrahim, patron de la fondation qui porte son nom, le panel était composé de personnalités de très haut niveau. Roch Narom, premier ministre du Cambodge, Hossam Zaki, secrétaire général de la Ligue arabe, Louise Mouchi Kiwabo, secrétaire général de l'OIF, et Burhan Kumar, diplomate indien, désormais à la tête de l'organisme international. Le débat d'abord tourné au... Reconnaître le Sud pour une gouvernance mondiale plus équilibrée, c'est le thème qui a guidé le débat auquel a pris part le chef de l'État camerounais Paul Biya dans le cadre des échanges du deuxième sommet de Paris sur la paix. Modéré par Mo Ibrahim, patron de la fondation qui porte son nom, le panel était composé de personnalités de très haut niveau. Roch Narom, premier ministre du Cambodge, Hossam Zaki, secrétaire général de la Ligue arabe, Louise Mouchi Kiwabo, secrétaire général de l'OIF, et Burhan Kumar, diplomate indien, désormais à la tête de l'organisme international. Le débat d'abord tourné autour de la définition du concept du Sud. Devait-on lui donner une limitation géographique ou une indication liée au développement? Les experts sont restés divisés sur la question. Le débat sur le Sud s'est étendu sur la position de la Chine. Est-ce un pays du Sud ou du Nord? Eh bien, sur le modérateur, mon pays, le Cameroun, a d'abondantes et excellentes relations avec la Chine, qui intervient dans le domaine les plus divers, infrastructures, barrages, etc. Bon, mais quand on discute avec les autorités chinoises, elles nous disent que leur pays est un pays en développement. Bon, dans une certaine mesure, on peut agréer cette qualification, parce que quand on compare le revenu national par habitant du Chinois et celui des grands pays du G7, on voit qu'il y a encore de la distance. Donc, ils n'ont pas tout à fait tort, mais je crois qu'ils sont en train de sortir du sous-développement à grands pas, puisqu'ils sont la deuxième puissance mondiale. L'échange sur la problématique de résolution des conflits dans le Sud a également permis à Paul Biya d'éclairer l'opinion sur la crise dite anglophone. Conservée à la partie de mon pays qui était sous colonisation britannique, un statut spécifique, mais il reste dans l'unité de la nation. C'est ça le problème que nous avons à résoudre. On avait la possibilité de les intégrer directement dans le système francophone qui était celui de la majorité du peuple, 80%, mais je crois que les pays sont soucieux aujourd'hui d'affirmer leur identité. Le président Biya, particulièrement actif au cours des échanges, a donné son point de vue sur la gouvernance des institutions internationales. Bon, je voulais simplement ajouter que cette volonté de réforme qui a suivi dans la communauté internationale concernant le Conseil de sécurité, nous voulons la voir agir aussi dans les institutions de Bretton Woods.
source, c'est-à-dire le Fonds monétaire, la Banque mondiale. Parce que ces institutions ont été créées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde a changé depuis. Et il faut tenir compte des nouvelles entités qui participent maintenant à la vie internationale. Relativement court, on n'a pas permis au chef de l'État camerounais Paul Biya de dire son discours. Il finit de parler. Il dit, je veux ajouter quelque chose. Comme la réforme de l'ONU, on veut réformer l'ONU. Comment on veut réformer l'ONU? Il ne faut pas oublier de réformer les institutions de Bretton Woods. En passant, le deal sur le franc CFA et le dollar américain, 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc quand le vieux lâche comme ça qu'il faut réformer les institutions de Bretton Woods, il sait que si on réforme les institutions de Bretton Woods, on va toucher le franc CFA. Tout ce qui bavarde, oh la France, oh la France, oh la France, oh la France, c'est les gens qui se sont assis à Yalta. Ça veut dire que qui? France, Grande-Bretagne, États-Unis d'Amérique, République, l'Union des Républiques soviétiques, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, et l'autre là, les Chinois, sont assis à Yalta là-bas. Ils ont créé toutes les institutions que vous connaissez là. Pour comprendre la corde qui est au cou des pays africains, retenez que si les États-Unis d'Amérique ne profitaient pas du système CFA, depuis qu'ils auraient réglé le compte, depuis From il régler le compte. Mais comme c'est le même système entre le dollar, tout le pétrole du monde entier est vendu en dollars, si on reforme l'ONU et on laisse les institutions de Bretton Woods, il faut reformer. Il a lâché le mot. Il faut reformer les institutions de Bretton Woods. Puisque c'est là-bas où le franc CFA est attaché. On crie sur la France, on crie sur la France. Vous allez crier sur la France, c'est Bretton Woods, c'est eux. 1945. Quand le patin a lâché sa papa, j'ai croisé les bras, on a dit que oui, que papa. Ma géopolitique n'a élevé. Vous voulez réformer l'ONU, je propose que ça passe à 26. Mais, n'oubliez pas de réformer aussi les institutions de Bretton Woods. Parce qu'on avait créé ça, le monde a changé à la fin de la Deuxième Guerre. Comme le monde a changé, il y a les nouveaux pays émergents, il y a la Chine, il y a la Turquie, il y a l'Inde, il y a l'Iran, il y a le Brésil. Il faut donc refaire un nouveau partage. On dit, voici ce qu'on donne à l'Afrique, voici ce qu'on donne à l'Asie, voici ce qu'on donne aux Amériques, voici ce qu'on donne aux Occidentaux. À ce moment-là, on va faire du commerce, ce qu'ils appellent le commerce équitable. Mais vous connaissez que des gens ont été habitués à prendre gratuit depuis l'esclavage. Et c'est ça le problème qui bloque. Le problème est que les gens ont été habitués à prendre gratuit. Donc, ça devient compliqué pour eux de payer. Papa, si tu ne comprends pas, si tu ne comprends pas, est-ce, mon frère, quand Paul lui a parlé à l'étranger, mon frère, nous on suit ses mots. La phrase qu'il a lâchée là, mon frère, c'est une phrase
D'accord. Mon frère, laisse. Pat, laisse. Il s'appelle qui? Comment tu t'appelles là? Il y a mon ami là. J'ai oublié son nom. Voilà. Tu sais, vous allez comprendre Paul Biya. Je dis, vous allez comprendre Paul Biya quand il ne sera plus là. Maintenant, je veux vous dire quelque chose sur tous ces agissements. Bon, prenons les. On va partir sur les hypothèses. Première hypothèse. On modifie le CFA, on change les conditionnalités. On dit la banque centrale en Afrique centrale, dans la zone CEMAC, doit avoir sa monnaie. Mais le Cameroun doit payer les droits de tirage. Droits de tirage, vous pouvez être par exemple sur le papier qu'on tire l'argent avec, l'encre, tout ça. On dit que bon, okay, vous allez payer les droits de tirage. Parce qu'on va vous donner l'encre, le papier, pour faire de la monnaie. C'est un exemple. Vous savez ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? Dès que la BEA va avoir ses nouveaux instruments, ça veut dire son imprimerie, les papiers pour faire sa nouvelle monnaie, avec sa nouvelle coupure, tout, la BEA va dire tout le monde, tous ceux qui ont l'argent doivent passer dans des banques. Fais des échanges. Tu déposes l'ancienne monnaie, on te donne la nouvelle monnaie, c'est comme ça, ça va se passer. Durant une bonne période. Mais vous savez bien que je vous ai lu un papier ici, là, l'autre jour. Dans tous les documents administratifs, quel que soit ce que tu veux faire, je vous ai lu ceci, un document que je vais lire. Par ailleurs, les entreprises ne figurant pas sur cette liste et qui justifient d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de francs CFA au moins en cours de l'année précédente sont invitées à bien vouloir saisir l'Institut national de la statistique, l'INS, avec des éléments justificatifs. Élément justificatif. Si la banque, la nouvelle banque centrale, partage l'argent aux banquiers, dit les Camerounais doivent venir faire des échanges. Vous pensez que je vais me lever, amener mon argent à la banque pour changer, pour avoir les nouvelles coupures? Vous pensez qu'on va me poser la question, ça vient d'où l'argent? Bien sûr, les amis, on va me poser la question, ça vient d'où? Justifie. Tu travailles où? Tu fais quoi? D'où beaucoup de personnes sont en train de prier, ils ont fait ici, plier les doigts comme ça, pour que le franc CFA ne finisse pas. Si vous savez le nombre de personnes qui s'engraissent avec le franc CFA au Cameroun, au Gabon, au Tchad, en Guinée équatoriale, en Centrafrique, vous allez tomber à la renverse. Que vous comprenez, le Nigeria, le président Obasanjo, il s'est dit, il faut garantir
l'agent des joueurs, s'il peut signer des accords avec les joueurs nigériens qui sont à l'étranger, quand il finit de jouer, il rapatrie leur agent au Nigeria, l'État du Nigeria va garantir. Va sécuriser leur agent. Tous les joueurs nigériens qui étaient à l'étranger ont transféré toutes leurs devises dans leur pays. Donc chacun choisissait la banque où il devait déposer son argent. Le plus riche parmi eux s'appelait DJ Okocha. DJ Okocha a viré son argent dans une banque au Nigeria. 6 mois après, le banquier a fait faillite. Le président Obasanjo a appelé le banquier central. Il dit que l'État du Nigeria avait pris l'engagement de sécuriser l'argent des joueurs. L'État du Nigeria doit payer l'argent de DJ Okocha. C'était des millions de dollars. L'État du Nigeria a payé. Maintenant, les hommes d'affaires camerounais qui sont dans la déstabilisation, au lieu de poser le vrai problème, qu'est-ce que vous nous garantissez? C'est de ça qu'il est question. Des gens veulent avoir des garanties sur leurs biens et sur leurs agents qu'ils ont dans les banques. Parce que les gens trouvent que tel que c'est parti, si on modifie le système, soit il y aura les fluctuations sur la monnaie, et d'aucuns peuvent perdre, d'aucuns peuvent gagner. Des gens font donc bloc commun pour déstabiliser le Cameroun. Moi, j'ai seulement pitié des moto-taximan quand j'ai vu les vidéos qui circulent au Cameroun, là. J'ai eu pitié des motos. Mais ils ne savent pas qu'ils seront les premières victimes. C'est-à-dire, on est en train de voir en Bolivie, le riz a doublé, a triplé le prix. Triplé. Le riz a triplé. Conséquence, les qui perdent, c'est les gains petits qui vont perdre. Vous croyez que les gens de l'administration vont perdre? Non. Ils auront encore moins 1 mois, 2 mois de vie. Mais les gains petits qui vivent au jour le jour, ils épargnent pour vendredi, ils travaillent lundi, mardi, mercredi, jeudi, après la maintenance, on épargne. C'est eux qui vont souffrir. Les premières victimes. Les Libyens en savent quelque chose. Les Libyens en savent quelque chose. On a dit aux Libyens, dans leur cerveau, vous n'êtes pas bien chez vous. Parce qu'il n'y a pas la démocratie. Paraît-il, être bien chez toi, c'est quand il y a la démocratie. Les Libyens ont cru à cette sirène. Par contre, quelqu'un rationnel sait qu'être bien chez soi, c'est avoir une vie décente, avoir des facilités de transport, avoir des facilités de se soigner, avoir des facilités d'études, avoir des facilités de crédit. Tout ça, les Libyens avaient. Ils ont dit que non. Ils ont compris la chanson des Occidentaux.
que certains, vous êtes un pays, votre président c'est un dictateur. Ils ont chassé Kadhafi, ils ont tué Kadhafi. Aujourd'hui, ils disent, ils regrettent. Pareil, comme quand on a commencé dans la zone anglophone, dans les églises, les mosquées, dans les associations. Quand on finissait le discours ou bien la messe, on finissait l'homélie en disant « Tomorrow, we go be. » On va souffrir, mais « Tomorrow, we go be. » Va faire ton direct, tu expliques non pas. Ouais, mon frère. J'ai mes sujets. Laisse-moi finir avec mes sujets, mon frère. Si tu veux débattre, tu débats, tu peux faire le direct, tu débats. Comme ça, non, mon frère. Et là, moi, je vais prendre ton direct. Je vais voir. C'est même simple. Tu peux prendre mon direct. Tu me contredis sur tout ce que je dis là. Mais en passant, tu auras beaucoup de travail. Parce que ça fait un an, beaucoup de jours que je fais le direct. Il faut me contredire. Donc, papa, laisse. Aujourd'hui, ils regrettent d'avoir détruit leur pays parce qu'ils adorent la démocratie. En Chine, c'est pareil. À Hong Kong, les affrontements, ils veulent la démocratie. La Chine leur a dit, vous avez votre démocratie, vous votez vos députés, point. Mais une loi qui ne plaît pas au pouvoir central de Pékin, on l'abroge. Tous les jours, ils marchent. Tous les jours, ils marchent. Tous les jours, ils marchent. Ça a changé quoi? C'est pour ça que je vous dis toujours stratégie. Stratégie. Si le président Biya, Pat, c'est comment? Tu ne peux pas faire le direct. Pat, il faut faire le direct. Pat, fais le direct. Je vais venir m'asseoir, je te suis. La différence entre toi et moi, pape, je vais te dire la différence. La différence entre toi et moi, c'est que toi, ton discours, c'est Paul Biya must go. Paul Biya est un dictateur. Paul Biya a vendu le pays à Boré. Voilà ton discours. Moi, mon discours, c'est la Chambre de commerce appartient à l'Ouest depuis 75 ans. On a créé la Chambre de commerce en 1921. Les Blancs sont partis. On a donné à l'Ouest. Ils sont là-bas depuis 75 ans. C'est une manière propre pour moi de parler de la Chambre de commerce. Tous ceux qui ont un ordinateur, moi ici au Canada, si je veux ouvrir une chambre de commerce, parce que la chambre de commerce ici là, c'est un instrument de partenariat avec certains pays. Si je veux créer ma chambre de commerce et que nous sommes une activité et que je suis, par exemple, dans la mécanique comme je suis là, et que je veux avoir des relations avec un autre pays, je crée ma chambre de commerce ici au Canada. Je n'ai pas besoin. Tu fais ta demande. Tout le monde peut taper là sur Internet. Le site d'immigration, le site du gouvernement du Québec, du Canada, gouvernement fédéral. Création d'une chambre de commerce. Tu tapes d'abord création d'une chambre de commerce au Canada. Ça va s'afficher. Un électricien peut créer sa chambre de commerce. Un maçon peut créer sa chambre de commerce. Ça booste l'économie parce qu'on sait que à partir de toutes ces chambres de commerce, ça va faire des partenariats.
partout avec d'autres pays. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on a pris la chambre de commerce, on a donné à une région. Tu arrives avec ton partenaire de l'étranger, tu viens pour installer une entreprise, on regarde ta tête, on refuse de donner. C'est pour ça que nous disons au président de la République, il faut exploser ce machin. La chambre du commerce camerounaise est un obstacle pour des jeunes entrepreneurs camerounais. Je répète, la chambre de commerce et de l'industrie animale de la République du Cameroun est un obstacle aux jeunes entrepreneurs camerounais. C'est ça le problème, le véritable problème. L'État protège les intérêts de tout le monde. Comment je vais faire moi pour retrouver pour avoir mes intérêts au sein de la République pour que l'État protège? Quand la Chambre de commerce m'empêche, je peux voir un constructeur de tracteurs au Canada. Je dis à ce constructeur de tracteurs, est-ce que je peux avoir un partenariat avec toi pour que je sois ton représentant au Cameroun? Il me donne son accord de principe ici. Je rentre au Cameroun. Il va me demander les documents qui vont protéger son investissement au Cameroun à partir du fait que c'est moi son représentant. J'arrive au Cameroun, je dois passer par la chambre du commerce. Ils vont regarder mon visage. Ils ne vont pas me donner les documents. C'est comme ça qu'on a écarté tous les enfants des régions du centre, sud, l'est et littoral. Je parle, ce sont des faits. Tous ceux qui sont allés, je dis bien tous ceux qui sont allés, Pascal a vécu ça au Cameroun. Il ne croyait pas. Il a trouvé le système. Il a fait un an. Dépenser l'argent, faire les tests, tout. Il avait les accords de principe avec beaucoup d'entreprises au Cameroun. Mais, de comment on lui a dit ça là, donne-nous. Tu dois avoir 5%. Voilà. Pat. Les devises d'une monnaie. J'ai l'impression que vous rêvez. On n'adosse pas une monnaie à l'or. C'est de la chimère qu'on vous raconte tous les jours. La monnaie, c'est le travail de la population. Vous habituez. Tu penses que tu adores Singapour. Singapour n'a pas de banque centrale. Singapour, c'est ma monnaie. C'est, j'ai produit 100 francs. J'ai vendu 150. Je prends 50, j'investis avec 50. Je reproduis avec les mêmes 100 francs. C'est ça l'économie de Singapour. L'or vient chercher quoi sur ça? Mon frère, arrêtez de vous lobotomiser le cerveau. C'est pas ça. Je parle de Singapour à côté là. Singapour, c'est j'ai produit 100 francs. J'ai produit les biens de 100 francs. Je vais vendre ces biens à 150. Il prend les 50, il investit avec. Les 100 francs restants, il reproduit avec.
ça qui a fait son essor. Pour l'implémenter, il faut que la population soit disciplinée. C'est le seul pays qui n'a pas de banque centrale. Il dit que non. Li Xiao avait dit que banque centrale, c'est pour les paresseux. Je produis, je vends, le bénéfice, j'investis, je reproduis, je revends. Donc laissez-nous les histoires de on va adosser la langue sur le dos, on va juste quoi là-dedans. Ça, c'est des bêtises. C'est ça qui crée la récession partout. On a deux l'argent avec quelque chose, on a deux l'argent avec quelque chose. Là, c'est une matière première qu'on doit vendre. Dis qu'en matière d'échange international, si j'ai ton agent chez moi et que je veux racheter mon agent chez toi, je te donne de l'or. En retour, tu me donnes mon agent, c'est comme ça. Mon frère, ça c'est pour réglementer les échanges. C'est toi qui es venu casser la tête aux gens. On va adosser l'argent sur l'or, on va adosser l'argent sur l'or. Donc tu es venu casser la tête aux gens. Le même discours. On va adosser l'argent sur l'or. Attends, on a parlé de ça là tous les jours. Vous êtes tous là en train de venir casser le cerveau aux gens. J'ai dit. Le seul pays qui n'a pas de banque. Le Rwanda n'a pas de banque centrale, mon frère. Vous êtes des gens de MSC là. Vous avez les cerveaux durs. Allez, va voir ton professeur, mon frère. Vous avez les cerveaux durs. On dirait qu'il y a un seul pays au monde qui n'a pas de banque centrale, c'est Singapour. Tu continues à me dire que le Rwanda est monté, machin. Le Rwanda est monté. C'est ça qu'on l'a chassé de la Goa aussi. Mais ben pourquoi j'apprends souvent que son président est bon, non? Si tu dis que je mens au Camerounais, pape, tu viens me contredire, non? Tu peux même me contredire. On va voir ton visage. Et c'est ça le problème. C'est que vous tous là, vous êtes des gens hybrides. Quand quelqu'un est hybride, il préfère se cacher. Moi, quand je fais le direct comme ça, je parle. Tout le monde me voit. Les gens vont, partager le direct. On va me voir. Mais toi, tu es assis derrière un clavier, tu essaies de me donner les leçons, gars, ça ne marche pas. Partager le direct. Pour bien rester, monsieur, tellement intérêt. Vous pensez qu'il devait lâcher ça où? Le gars a lâché son mot. Il faut le former. La Libye était prospère parce que Kadhafi a bien utilisé l'argent du pétrole. Mon frère, tu as fait taire la bouche à Claude Abbaté sur les questions de monnaie. Attends, t'as dépassé dans le forum CCL. Tu viens parler ici. Ça, c'est quand on a là, tu ne peux pas lui faire taire. Hein? C'est la question de monnaie. Il va te déconstruire tout vos bêtises que vous racontez. Il est le seul qui a expliqué aux Camerounais ce que c'est que la monnaie, le franc CFA. Vous tous, vous étiez dans l'enfumage. Il a fallu qu'Atangana vienne s'asseoir là, décortiquer le franc CFA, dire aux Camerounais, voilà ce qu'on appelle le franc CFA. Toi, tu es là pour nous parler des intérêts. Pardon, laisse l'affaire là. Laisse, mon frère. Laisse. Non, mon frère. Ouais, pape, laisse, mon frère. C'est le seul Camerounais qui a décortiqué le franc CFA à mon vision. Tout le monde a vu. Toi, tu sors d'où? Ça, ferme la. Mon frère, laisse. Laisse l'affaire là. Vous êtes nombreux. Tu es aussi diplômé comme Capto. Vous êtes tous des diplômés. Non, mais. Hey! Papindom dit que la chambre de commerce n'a aucun pouvoir. Et. Vous voyez comment ces gens-ci,
Papindon. Papindon, comment tu peux dire que Papindon, comment tu peux dire que la Chambre commune n'a aucun pouvoir? Papindon, tu es en France. Va au Cameroun avec l'entreprise qui fait les tôles. L'entreprise qui fait les bobines, la feuille de tôle pour le rouleau, la bobine de feuille de tôle d'aluminium. Tu signes les partenariats avec cette entreprise, tu viens l'implanter au Cameroun. Mustapha Ebo. Mustapha Ebo dit que si le Cameroun est si bon, qu'est-ce que je fais à l'étranger? Mustapha Ebo, si le Japon est si bon, il y a les routes au Japon qui sont boudonnées, gars, ils sont ici avec les Japonais. Comme ça. Moi-même, j'ai failli. Je ne comprenais pas. Quand je sors là de ma maison, là, je vais te montrer la salle de fête où les Japonais, quand ils ont leur fête nationale. Papa, j'avais Wanda. Ils sont à Montréal des millions de Japonais. Ce monsieur vient me dire que dans ton pays, tu n'as pas le droit de sortir. Si ton pays est... Mon frère, nous sommes des êtres humains appelés à nous déplacer, aller où, là où on veut. C'est comme ça, papa. Je suis ici là parce que j'ai voulu. J'ai décidé de venir m'installer ici. Clair et net. On t'a dit que j'ai demandé l'asile politique. Non. Papa, comme je peux décider ici, là, dit que je m'en vais m'installer en Australie, je pars. Je m'installe là-bas. Je peux décider de l'Australie, dit que je m'en vais m'installer en Nouvelle-Zélande. Je pars. Je m'installe. C'est la loi de la nature. Ok, pape. Tu dis que c'est le Congo ça que je fais, pape. Waouh. Quel Congo ça, non? Oh. Laisse la faire, là, dis donc. Toi, tu déranges seulement. Toi, dis-toi. Non, grand frère d'homme, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Franchement. Tu veux que je cite le nom de qui, pape? Tu veux que je cite le nom de qui, mon frère? Non, le nom de qui? Il a parlé de qui ici, là? Tu sais même quand moi, il parle de quelqu'un, je cite son nom, non? Il a parlé de qui? Si il parle de la Chambre de commerce, le président s'appelle Christophe Eken. Hein, frère, j'ai l'impression que tu ne me connais pas. Hein? Non, mon frère. Tu ne peux pas faire les affaires en étant à l'étranger. Tu trouves tes partenaires à l'étranger qui peuvent te donner tous les documents. Tu viens au Cameroun avec t'implanter. Tu dois passer par la chambre de commerce. Monsieur Ndom. C'est de ça qu'il est question, papa. C'est parce que vous suivez Equinox. Quand quelqu'un suit Equinox, ne peut réfléchir que comme ça, papa. Tu as raison. Tu continues de te bloquer. Tu connais, non? Tu continues de te bloquer propre.
Donc tu me laisses finir mon direct tranquille. Ce grand frère arrive là, qu'il me fasse signe. Laisse ça, adosser la monnaie. Des bêtises, il faut travailler pour garantir la monnaie. C'est le travail qui garantit la monnaie. Quand je regarde. Maintenant, on parle de la déstabilisation du Cameroun. En général. On va parler de la déstabilisation de notre pays. Voilà un pays dont un président lutte pour que ses enfants ne restent pas souffrir. Il lutte pour que nous puissions avoir un peu. Ouais gars, occupe-toi de ce gars. Voilà un président qui lutte avec ceux qui ont mis le franc CFA. Les accords arrivent à échéance le 26 décembre. Il faut renégocier sur le franc. Il faut renégocier les accords. Le 26 décembre. On voit un conglomérat avocat. Parti politique, non, avocat, MSC, société civile, certains partis politiques, parce que le MSC n'est pas un parti politique, des hommes d'affaires, se constituer en ce qu'on appelle aux États-Unis d'Amérique le complexe industrialo-militaire américain. C'est comme ça que ces gars sont constitués en un conglomérat contre les intérêts de toute la population camerounaise. Il faut que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire là. Nous avons dit ici que 2020 va être la libération des populations qui cultivent le cacao. Ça veut dire sang, sud, est, littoral. Vous-même, vous avez vu la réaction des gens sur le terrain. Depuis la fermeture de l'ONCPB, c'est la première fois au Cameroun qu'on achète le kilo de cacao à 1200. Première fois.
Vous comprenez? C'est-à-dire, quand on voit ça, on se dit, mais attendez. Donc, ces gens-ci, ils nous prennent pour des moutons, qu'on ne comprend rien. Nous nous disions avant que l'État va garantir les intérêts de tout le monde. Mais nous nous sommes rendus compte que l'État a jeté en pâture les planteurs. Nous nous avons dit, ok, comme l'État a jeté en pâture les planteurs aux mains des négociateurs qu'on appelle les coxeurs, nous allons mettre fin à ça. Dès que nous avons annoncé dans un direct que 2020, nous allons acheter le cacao à tel prix, les gens sont descendus sur le terrain au Cameroun. Les multinationales, toutes les multinationales sont en train de descendre au Cameroun en catastrophe. Chacun veut baliser le terrain. Chacun veut apporter des garanties. Donc, ça sert à rien que je continue à te laisser, pape. Dégage. Je vais te bannir de la page. J'étais d'abord cancellé. L'homme là, je vais te bannir de la page. Dès que le direct finit, je te bannis de la page. Propre. Il dérange. C'est fait. Ça veut dire que si on achète le cacao à 1200, ça veut dire que il y a un guise sous rouge. Il y a un guise sous rouge. Subitement. J'ai causé avec un gars qui m'a envoyé le prix officiel du cacao 2019 dans la zone du sud. D'après les chiffres officiels, attendez, ah non, c'est parti, c'est l'ancien compte. C'est l'ancien compte. J'allais vous montrer. Il m'a envoyé ça. Que voilà le prix qu'on propose aux populations. Le café, on a acheté à 150 le kilo. Par contre, c'était dans les 400-500. Qu'est-ce qui s'est passé? Que subitement, on dit 1200. Subitement.
maintenant. Donc, vous comprenez que le système maintient les gens dans la pauvreté. Juste une simple annonce que nous avons faite pour 2020. Voilà le résultat de 2018. Tout a chamboulé. Tout ceci avait pour but d'augmenter la pression dans la population, les populations du centre, sud, est et une partie du littoral. Et le littoral, pas une partie. On va les affamer, ils vont se détourner du président Biya. Ils vont le lâcher. La même stratégie a été implémentée chez les avocats. La même stratégie a été implémentée chez les avocats. On s'est arrangé bien à constituer le bureau de l'ordre de la chambre, le bureau de l'ordre des avocats, en prenant bien le soin de museler les quelques avocats du centre, sud et l'est et du littoral. Je dis bien les quelques. Par contre, la remarque que nous avons faite, c'est que dans ces quatre régions, quand un avocat finit, il n'y a plus la relève. Quand un avocat se retire, disons il est vieux, bien il est malade, il n'y a plus de relève. Mais quand vous prenez la région de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, ces trois régions. Si le père a été avocat, il aura au moins quatre enfants avocats. J'ai dit que si le père a été avocat, il aura au moins quatre enfants avocats dans ces trois régions. Non, Honoré, tu fais erreur. Honoré, tu fais une erreur. Honoré, tu fais une grosse erreur. Honoré, ça c'est souvent Honoré, c'est l'erreur que les gens font. Honoré, il faut pointer du doigt un problème et dire le problème. Honoré, c'est une erreur. C'est une erreur de penser comme tu penses là. C'est pas ça que tu ne dois pas voir les choses comme ça. Honoré, pour le faire, il faut que l'État, tel que c'est configuré, tu seras phagocyté. Il faut toujours te poser la question, tu crois que qui a phagocyté James Onobio, non? Honoré, Honoré, tu es en retard. Réfléchis bien. Tu crois que qui a phagocyté James? C'est ce système que je dénonce qui a phagocyté James. Il a dit, monsieur, tu es allé trop loin. À partir d'aujourd'hui, on va tout démanteler. Tu vas rester qu'actionnaire dans les entreprises là-bas. Tout. C'est ce qu'il est. On ouvre les actions à gauche, à droite. Terminé.
comprends pas le système. Voilà encore notre domaine. Les écoles d'enseignement privées, confessionnelles, laïques. Va donc à Yaoundé. Demande l'autorisation pour ouvrir l'école. Tu vas venir me voir après. Honorer ce que je dis là, on a fait. Et par contre, quand on voulait avoir la confirmation, on prenait le dossier, on donnait à un gars de l'Ouest, il partait, l'autorisation tombait. Mon ami, gars, ce n'est pas aujourd'hui. Je peux te donner l'école, le nom de l'école, tu pars. Ça fait 25 ans. Quand il parle ici là, mon gars, laisse l'affaire là. Laisse. Si vous vous réveillez aujourd'hui là, on est dedans depuis, on cherche à comprendre. On a compris. Parce qu'avant, on ne comprenait pas. C'est ça qui est la question. Avant, on ne voyait que du feu. J'ai dit avant, on ne voyait que du feu. On ne comprenait pas. On ne comprenait pas. C'est un monsieur qui vient encore, il nous fait asseoir. Le gars a commencé à nous parler du Cameroun. À kilomètre 5. De 18h à 5h du matin. 18h, 5h du matin. Il parlait, tu avais la chair de poule. 18h, 5h du matin. Celui qui vient nous ouvrir les yeux comme ça, tes oreilles s'ouvrent. Tu mets les mains à la tête, tu dis que papa. Il nous dit, il conclut à la fin. C'est ça qui a encore donné encore de l'espoir. Il conclut à la fin, il dit, mais il y a une solution. Quand il a lâché le mot là à 5h, tout le monde voulait entendre la solution. Il dit, il y a une solution. Vous ne pouvez rien maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre qu'un gars à l'ouest Cameroun soit candidat à l'élection présidentielle. Dès qu'ils vont former un bloc pour le soutenir, vous mettez tout dehors. Gars, je vais verser. Je vais prendre encore l'éducation. Je vais vous donner le nombre de maîtres. Je ne parle pas de professeurs, je parle de maîtres de l'école primaire. Vous donnez le chiffre des énièges. Là où partout on forme les maîtres. Je vais vous dire, dans tel énièges, on a formé tel nombre. Par région, on a formé dans la région du littoral. Tel nombre d'enfants, tel nombre était ressortissant de telle région. Mon ami, papa, laisse l'affaire là, tu ne connais pas le Cameroun. Tu ne connais pas. Ça fait froid au dos quand on commence à t'expliquer ça. Ça fait froid au dos. Sinon, expliquez-moi. Expliquez-moi comment vous pouvez être au Cameroun. Vous dites «
Je veux faire telle chose. C'est normal. Avant de faire quelque chose, il faut d'abord aller vers l'administration. L'administration est là pour orienter, dire, bon, voilà, c'est telle chose que tu veux faire. Telle chose que tu veux faire, voici ce que la loi dit. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il y a certains secteurs qu'on laisse ce qu'ils appellent en droit vide juridique. On a laissé ça sciemment. On laisse un vide juridique. Pour que les gens s'engraissent. On laisse un vide juridique pour ça. Oh, vraiment. Camerounais. C'est aujourd'hui que les gens viennent se rendre compte. On parle. Oh, on a fait le concours pour l'école des architectes. Les noms. Toute la liste. C'est même beau. C'est maintenant que les gens se rendent compte qu'il y avait même une école d'architectes au Togo. Dont tous les pays de l'Afrique francophone envoient les candidats fréquenter. Boursiers. Qui connaissait, ça sortait dans le Cameroun Tribune. Je mets des gens au défi. Allez me sortir Cameroun Tribune de 2013. Montez-nous là où on a affiché le concours. Vous savez, à un certain moment, si on ne dit pas ça comme on dit là, je vous jure, depuis que nous avons commencé à faire des directs, il y a des Camerounais qui ne voient plus le Cameroun comme ils voyaient avant. Le regard qu'il avait sur son pays, il a changé. Il ne voit plus le Cameroun comme ils voyaient avant. C'était ça notre objectif. Je vous jure. Ouais. Tu as compris. Tu as compris. Il dit que les gars te font des textes. Ils laissent un vide juridique. Et ce vide juridique, des fois, on te fait un texte en laissant un vide juridique parce qu'ils ont déjà un dossier à main. Ils savent qu'un dossier arrive. Les gars balisent le terrain. Ils laissent un vide juridique. Et ce vide juridique aura juste pour rôle de faire le dossier qui arrive dans 3 ans. Au Canada, ici, tu peux avoir le maire avant de te marier, tu peux avoir un notaire. Le notaire fait l'état de lieu. Ils appellent ça ici là un contrat de mariage. Qui a acheté la télé? C'est moi. Où est la facture? On met de côté. Qui a acheté le frigo? C'est elle. Où est la facture? On met de côté. Qui a acheté le four? C'est moi. Où est la facture? On met de côté. Qui a acheté la machine à laver les habits? C'est elle. Où est la facture? On met de côté. Qui a acheté la chaussure, c'est moi. Ou la voiture, on met de côté. Qui a acheté telle chose, on voit d'abord qui a acheté quoi. On fait un bordereau, on signe. D'abord les copies, l'original reste là-bas chez lui.
Ça, c'est le contrat de mariage. Après, vous partez vous marier. Tout ce que vous allez avoir pendant votre mariage, là, si le mariage est fini, là, vous repartez encore chez le notaire. Comme tu te maries, là, c'est fini. Hein? Plus jamais tu ne vas plus te présenter chez le maire pour que tu te maries. Hein? On se marie ici, là, une fois. On se marie ici, une fois, c'est fini. Tu n'as plus droit à te marier chez le maire. On ne part pas chez le maire deux fois. Par le maire une fois. C'est pour ça qu'on a légalisé les choses comme c'est ma conjointe, c'est ma concubine, c'est ma ceci, c'est mon chum, c'est mon machin. C'est une fois ici chez le maire. Papa. Au Cameroun, quand tu te maries là, tu divorces là, pas encore chez le maire au Cameroun. Quand on a donné les indépendances, les Noirs pouvaient être président de la République. Les Noirs pouvaient être ministre. Les Noirs pouvaient être DG. Les Noirs pouvaient être directeurs d'administration centrale. Mais les Noirs ne pouvaient pas être directeurs techniques. On vous disait non. Assistance technique. On va prendre une société des Blancs pour venir faire l'assistant technique. Est-ce que vous voyez la différence? Vous êtes dans votre pays, vous pouvez être président. Tu es allé à l'école du Blanc, tu as appris. Je suis allé à l'école du Blanc, j'ai appris. Toi, tu peux être président, mais moi, je ne peux pas être directeur technique. C'est terrible, hein? C'est terrible. Moi, je ne peux pas être directeur technique. Parce qu'on a dit que non, ils ont signé une convention avec Total pour l'assistance technique. C'est ça. Voilà donc les états que nous avons reçus. Il est bloqué depuis. Il emmerde. Je l'ai bloqué depuis. C'est un emmerdeur. Il est bloqué depuis. C'est de ça qu'il est question, les amis. Tous ces gens sont de connivence pour la déstabilisation de notre pays. Tout ça, c'est le franc CFA. Je vous jure, tout ce que vous voyez au Cameroun, c'est le franc CFA. Tout le monde a vu les Américains entrer dedans. La danse de ça, c'est le franc CFA. Ceux qui ne comprennent pas les qui mangent derrière le franc CFA, vous devez voir le Cameroun. Ils ont fini. Qu'est-ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire? Quel est le grand international qui a braqué la Côte d'Ivoire? États-Unis, France, Grande-Bretagne. Il ne fallait pas que Gbagbo sorte du franc CFA. C'est un gang international qui a le franc CFA. C'est un gang international. C'est pour ça que M. Biaé à Paris, il part à Paris, il lâche le mot. Comment il faut réformer les propositions de réformer l'ONU. Il ne faut pas oublier
de réformer au même moment les institutions de Bretton Woods. Mo Ibrahim s'assoit encore bien sur sa chaise, il regarde le vieux comme ça avec son micro. Il avait le micro comme ça. Quand il entend, il faut réformer aussi les institutions de Bretton Woods. Que c'est parce qu'on a créé ça juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a maintenant les nouveaux pays qui sont émergents. La Chine, il n'a pas cité les pays. Moi, je cite la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Iran, le Brésil. Là, maintenant, il faut s'asseoir. On dit, bon, ok, vraiment, pour vivre sur une planète Terre, dans de meilleures conditions, et qu'on puisse faire du commerce, il faut d'abord réglementer les rapports financiers. C'est ça le problème. On réglemente. L'Afrique a ça, l'Asie a ça, l'Amérique a ça, l'Europe a ça. Tout ce que vous voyez là, c'est la guerre qui se passe entre les camps, les deux camps des mondialistes. Vous avez les mondialistes qui pensent que les nations ne doivent plus exister. Vous avez d'un autre côté, les mondialistes qui eux, pensent que les nations doivent exister. Vous le voyez, les Donald Trump sont dans le camp que les nations doivent exister. Les messieurs Macron, les Sarkozy, les Hollande, tout ce qui était là en Grande-Bretagne, les Theresa May, tous sont dans la logique que les nations doivent plus exister. Que c'est l'économie qui doit réglementer les vies dans les nations. Ça ne marche pas comme ça. Les Poutine sont dans le camp de les nations doivent exister. C'est ça qui est la question. Pour ce, je vous remercie d'être venu. Partagez le direct. Franchement, les partages n'ont même pas atteint. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas atteint 100 partages? On n'a pas atteint 100 partages, hein. Il n'y a pas atteint sans partage. Non, je partage aussi. Parce que si je ne partage pas là, il faut même que je partage dans le groupe. Vous partagez le direct. Vous savez bien que c'est le partage qui fait le direct. Je voudrais vous montrer aussi la vidéo du grand frère Elundu. Mais je vais vous montrer ça demain. Mais je vais vous montrer sa vidéo demain. Mais bien sûr, non. Mais tout cela, c'est les mondialistes. Tous, c'est les mondialistes. Ils sont en train de perdre le combat. Tous, c'est les mondialistes.
en train de perdre le combat. Les nations doivent vivre. Et c'est eux qui vont gagner. Trump est en train de faire rage aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump. Il fait ça à l'heure actuelle. Il est que sur le gouverneur de la Californie. Dieu donné. Il est que couché sur votre gouverneur. Il y a les combats dans les sous-sols là-bas chez vous. Apparemment, il y a plein de sous-sols là-bas chez vous comme ça. Trump est en train de faire rage là-bas. Quand il va finir avec ça, il va te dire les États qui sera. Hein? Le gouverneur de notre État qui est ciblé. C'est les mondialistes. Vous partagez le direct s'il vous plaît. Je laisse encore là pour que vous partagez. Faites un dernier partage. C'est moi le direct, c'est moi, je veux que les gens oublient pour moi de partager. Hein. Ok, bonne nuit. On ne sait pas. Partagez le direct s'il vous plaît. C'est très important le partage. On va partager le direct. Alaya, alaya, katane. Yo wa no na mala bola samasa. Yo wa yo mala mbali tinga baye sose. Yo wa no na mala bola samasa. Aya, aya. Franjo, big up à toi.
petit, il te dit ma belle, mon frère, ma belle. Ça veut dire ne veux pas les problèmes. Les familles le guettissent. Quand je vais relancer la chanson, je veux que tu danses en disant ma satan. Y'a ben un wam pour l'amour, monsieur. Y'a division, oh, à satan, oh, y'a ton y'a ben un Bonsoir et bonne nuit à vous. On se reprend demain.